Et Diego et Carlos, deux amis de longue date au parcours professionnel commun, ils ont occupé tous deux des postes managériels chez Deleuze. Diego s'est ensuite reconverti dans l'Oreca avant de revenir à l'enseigne au Lyon. J'ai un lion dans le ventre, je ne vous le cache pas, ayant travaillé pendant 5 ans chez Deleuze. J'ai un amour d'Ixelles et de Flagey plus particulièrement parce que j'y vis aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir rencontré Carlos, mon associé, qui a travaillé également chez Deleuze et avec qui on est très complémentaires. Donc l'ensemble de ces éléments font qu'on a décidé de se lancer. Carlos a lui développé une société de livraison de fruits pour les entreprises, mais le désir de se lancer dans un nouveau projet s'est profilé. J'avais bien développé l'entreprise et qu'il était temps pour moi de reprendre un projet plus d'envergure. Et donc avec mon futur associé Diego, on a analysé l'opportunité de faire de cette reprise un super succès. Hier, l'enseigne de supermarché a annoncé quels seront les 15 premiers magasins franchisés, générant la colère des syndicats et travailleurs. Les deux entrepreneurs reprennent donc les rênes du Deleuze Flagey dans un contexte social plutôt tendu, mais ils se veulent rassurants. L'inconnu fait peur. Moi le premier, l'ensemble, c'est normal. Et donc je comprends la peur face à l'inconnu. Et c'est là que je vais avoir un message rassurant pour l'ensemble de l'équipe, en leur disant que l'ensemble de leurs avantages seront évidemment conservés dans le futur. Depuis quelques jours, c'est dans le camp des franchisés que les inquiétudes planent. Selon l'Écho, Deleuze a prévu de revoir le contrat des franchises. L'autonomie des affiliés s'en retrouverait limitée, mais pas de quoi troubler les repreneurs. Le processus a quand même été assez long avec Deleuze. On a bien analysé les choses. On a été aidé par un cabinet de conseil extérieur, par des gens externes spécialisés là-dedans. Et voilà, tout ça nous semble assez équilibré. Vous êtes satisfait du contrat que vous avez signé? Ah, sinon, on n'aurait pas signé. Diego et Carlos prendront la tête du supermarché vers la fin du mois d'octobre. En attendant, ils prévoient de rencontrer le personnel.